Bonjour, je m'appelle Maurice Bancé, je suis le président fondateur du groupe Apsys. Bordeaux-Saint-Jean est une magnifique opération de requalification urbaine située entre la gare Saint-Jean et la Garonne. C'est un projet ambitieux d'un mix-use qui comportera des logements, des bureaux, des hôtels et une partie de commerce, de restauration et de services. C'est également une opération qui se veut exemplaire avec notamment la maison Édouard François et exemplaire au plan environnemental avec la création d'un îlot de fraîcheur. Alors le mot qui me vient spontanément à l'esprit, c'est haute couture urbaine. Notre ambition, c'est de faire un projet cousu-main avec la présence de l'architecte Édouard François dans le cadre de cette opération. 14 000 m² d'espace public, alliant un méridien qui sera planté en pleine terre, la fin de la requalification des quais de Bordeaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, la création de ruelles, de placettes, tout ceci mis à disposition des futurs consommateurs du projet. 2023 est la date d'ouverture de Bordeaux-Saint-Jean. Ça sera l'aboutissement de plusieurs années de travail de toute une équipe mobilisée sur la réussite d'un projet. Et c'est bien évidemment la date que je vais retenir. Bordeaux-Saint-Jean aura un immense impact sur l'ensemble de son environnement. C'est d'abord la revitalisation de tout un quartier de 70 000 m² où nous allons développer tout un ensemble d'usages divers et variés. C'est la réintroduction de la nature au sein de la ville avec des milliers de façades végétalisées, l'implantation de centaines d'arbres, la requalification des quais de Bordeaux. C'est également un impact économique avec le développement, l'investissement très important que nous allons réaliser et la création d'emplois. Et c'est enfin un impact sociétal car ce projet va rayonner sur l'ensemble des territoires autour de Bordeaux.